Dimanche 10 décembre 2023, Jade et Joy Hallyday se sont confiées pour la première fois à la télévision. C'est face à Audrey Crespomara dans l'émission 7 à 8, sur TF1, que les deux jeunes femmes ont évoqué le doux souvenir de leur père, Johnny Hallyday. Elles ont également parlé de ce douloureux traumatisme qui les liait tous les trois. La suite après la publicité, elles nous accueillent chez elles, à Los Angeles. Dans la maison où elles ont emménagé, après la mort de leur père, il y a 6 ans. Jade a 19 ans, Joy 15. Elles ont grandi sous l'œil du public et les flashs des paparazzi, mais c'est la toute première fois qu'elles s'expriment à la télévision. C'est ainsi que TF1 a annoncé l'interview des deux plus jeunes filles de Johnny Hallyday ce dimanche 10 décembre sur TF1. Elles se sont confiées il y a quelques jours à nos confrères de Paris Match, mais ne s'étaient donc encore jamais encore exprimées à la télévision. 1600. Laetitia Hallyday. leur mère que Jade et Joy ont répondu aux questions d'Eaudrey Crespomara. Elles ont confié que leur papa leur manquait beaucoup et l'ont décrit comme attentionné, généreux et toujours présent. Parfois, on faisait des restos père et fille, racontait l'une d'elles. Elle précisait qu'il les emmenait à l'école et qu'il les récupérait également sans oublier de prendre une glace à la vanille sur leur chemin. Papa, il était plutôt cool, assurait Joy. Les adolescentes, qui ont grandi loin de la France aux États-Unis, qualifiaient leur père de très très drôle mais pas que. On a compris que notre père ce n'était pas quelqu'un d'ordinaire, assurait-elle en soulignant que Johnny Hallyday avait une aura et une présence particulières. Très proche de leur papa, Jade et Joy Hallyday ne passaient pas une seule journée sans lui envoyer des vidéos et des photos et inversement. On partageait tout ce qu'on faisait, se souvenait la plus jeune du clan. Abandonnée par son père et par sa mère ET, ce n'est d'ailleurs pas tout ce qu'elle partageait avec leur défunt père. En effet, Audrey crespo rappelait que le sentiment d'abandon liait le papa et ses filles. L'abandon que vous aviez vécu, bébé, il l'avait vécu lui aussi. Abandonné par son père et par sa mère, c'était le grand traumatisme de sa vie et il disait qu'il voulait apaiser votre sentiment d'abandon. Vous en parliez ensemble demandait l'épouse de Thierry Ardisson. Et Joy de répondre. Non. Pas trop. Il était hyper pudique sur ce sujet-là et même en général, il était très pudique. Maman nous a expliqué que quand il était petit, il a dû vivre avec sa tante et le mari de sa tante, continuer l'adolescente de 15 ans. S'il est parvenu à réparer son propre abandon en adoptant Jade et Joy, comme l'a affirmé Laetitia Hallyday Absolument. C'est -ce Jade la première qui confirmait d'ailleurs les propos de sa mère, rapportés par la journaliste de 7 à 8. Oui, je le ressentais aussi avec l'amour qu'il avait envers nous. C'était un sentiment de protection. Il voulait nous protéger très souvent, par exemple, quand on était à l'école, on avait des sorties scolaires et papa ne voulait pas nous laisser partir parce qu'il avait trop peur des bus. Il voulait qu'on reste à la maison avec lui. Il était très protecteur et il nous envoyait beaucoup de messages. Je t'aimais, ai papa, détaillait Jade qui a fait son entrée à l'université. Et de conclure, si on n'était pas ensemble, on s'appelait ou ils nous envoyaient des vidéos. Au fil de l'interview, les demi-sœurs de David Hallyday et Laura Smith témoignaient de leur fierté d'avoir eu l'interprète de Que je Taimais comme père. On a eu la chance d'être adoptés par des parents incroyables, avouait-elle. Concernant leurs parents biologiques, les jeunes femmes assuraient ne pas avoir cherché à savoir qui ils étaient. Moi, je n'ai jamais vraiment voulu savoir qui c'était parce que je suis contente avec les parents que j'ai débutait Joy Hallyday. Et jade de conclure, ce n'est pas très important de savoir qui sont nos parents biologiques puisque ce ne sont pas eux qui nous ont élevés, éduqués. On est tellement heureux et fiers. La suite après la publicité, la suite après la publicité.